Chers amis internautes, que vous soyez chrétiens ou non chrétiens, nous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Dans l'émission jeudi à la, nous-mêmes, Jonas Toussaint, nous parler de un petit cours biblique, mais jeudi à pas spécialement cours biblique, c'est surtout un petit cours d'histoire biblique que nous parlons. Mais le plus souvent, nous parlons de l'histoire biblique, de ça qui passait dans la Bible. Mais je dis, nous parlons toujours à la lumière de la Bible. Nous parlons un petit peu d'histoire géopolitique de la Bible, de la déportation des Juifs et à Babylone. Et nous gagnons pour nous arriver par la suite jusqu'à l'époque actuelle où il y a le conflit israélo-palestinien. Mais je dis, plus d'apprêter l'origine de l'exil du peuple juif à Babylone. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on est que. À l'époque et à la chute de à la mort de Salomon, le pays était divisé en deux royaumes, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. C'était un Jéroboam qui devine diriger presque 10 tribus dans le royaume de Juda et puis et l'autre partie aussi qui était dirigée et par son frère, les deux fils de Salomon. Mais le problème qui vient, c'est que depuis que le royaume a fini divisé, le peuple a fini tombé, ça que nous relève dans le boom. C'est-à-dire, en pile des heures fait dans le pays, le royaume méchant, et nous avons plusieurs mois passés, qui ont été 10 ans, qui ont été 15 ans, 20 ans, 38 ans, qui ont même été un mois dans le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Le peuple sont toujours un peuple de courraide, malgré que tu as des prophètes avec eux et qui t'a dicté au ça que mon Dieu t'a dit pour faire, il va te jamais t'aider. Il y avait le prophète Élisée qui était avec beaucoup de rois que le passé, et jusqu'à Ézéchias et Sédécias, jusqu'à Sédécias, c'est même le dernier roi d'Israël, parce qu'en vingtaine de rois passés, il n'a jamais vraiment fait bah, qui bon aux yeux de Dieu. Eh bien, Sédécias, c'est même divine et mourir, et puis c'est à ce moment-là que l'Empire en Babylone, dirigé par Nebuchadnezzar, vient entrer dans Babylone. Mais avant que nous parlions de envahissement et invasion de l'Empire Babylone, dirigé par Nebuchadnezzar, qui vient entrer dans la Judée et pour capable d'occuper Jérusalem et détruire le temple de Salomon, nous parlons un petit peu le contexte géopolitique à l'époque. Avant que Babylone vienne prendre Jérusalem, il y a une grande puissance qui était là avant, c'était la Syrie. Vous voyez la Syrie elle-même, ce n'est pas la Syrie dont je parle là, c'est la Syrie avec A, de S-Y-R-I-E. La Syrie, c'est un empire que tu as, il n'y a plus grand empire. Il y a deux grands empires, l'un au nord, l'autre au sud, qui était entouré Israël. Donc, il y avait besoin, Israël, c'était en route, en passage. Israël, au milieu, c'est un empire que tu as aussi, parce que c'est le peuple de Dieu. Israël était assez fort, parce que même lorsque tu as une invasion, Israël, Jérusalem, toujours résistait aux envahisseurs. Et, un petit pays, un territoire tout petit, l'a résisté contre des grands envahisseurs, comme par exemple la Syrie, et l'Égypte, qui était sous-bord emballé, au sud, et puis gagné Babylone, qui était au nord lui-même, et comme des grands pays. Babylone, que nous assimilons aujourd'hui avec l'Irak, c'est assez grand vraiment l'obgade territoire Irak là par rapport avec Israël, où Israël est un minuscule pays. Et puis l'obgade, par exemple, territoire, et l'Égypte là aussi, c'était un territoire immense comparativement, et non seulement au nombre de monde que l'Igaïa là-dedans, mais également au point de vue du territoire. Donc, Babylone a besoin d'accaparer, par exemple, la Syrie pour être capable de constituer un empire. Il faut passer par Israël. Il faut occuper Israël avant. La Syrie nous songeait, la Syrie aussi. C'est le pays que Jonas, bon Dieu, t'es voyé, Jonas lui-même, t'es allé à Ninive, qui est la capitale de la Syrie, pour être capable de convertir le peuple. Jonas était arrivé converti dans un premier temps, et puis tout le monde vient après. Après, la Syrie vient tomber parce que Babylone vient entrer, envahir la Syrie, vient former un grand empire, l'empire babylonien. Jusqu'à ce que Kouniala et Nebuchadnezzar viennent entrer en Judée. Puis ça fait Kouniala, il détruit la ville là.
malgré que les prophètes tels que Jérémie te kon annonce ou sal, di yo reparti, fait tout bagay, nous pas gen un problème, mais eh bien, parce que Jérémie c'était, il était là à l'époque, yon pile prophète qui était là pendant la période de captivité là, et te gen Jérémie, Ezekiel, et puis tant d'autres encore, Élie, Élisée, tout passé par là, et puis gen Daniel aussi qui était au début même de captivité du peuple juif et disons l'exil du peuple juif en Babylone. Lorsque par exemple Babylone entrait, nous connaissons l'histoire, nous pas les détails de l'histoire, nous connaissons que il vient entrer en Israël et le jeune prophète Daniel également pour le prophète bien entendu, mais c'est on qui a servi bon Dieu très sérieusement. Nous connaissons l'histoire de Daniel jusqu'à ce que Nebuchadnezzar vienne faire rêve. Mais ça que au fait ils ont entré en Israël, ils ont pris le peuple Israël là, et puis ils ont déporté vers Babylone. Parce que Nebuchadnezzar lui-même, qui était un roi très instruit, et puis son ex, il est le grand bâtisseur, mais monsieur lui-même, il a besoin de construire Villa, il a besoin des cerveaux, il a besoin des gens qui ont pile capacité pour être capable d'aider à construire Villa. Donc Babylone, c'est une ville comme Sindadou, ou New York, que nous avons regardé jeudi à l'heure, tellement son ville qui était vraiment une merveille. C'est là dans le tout. Ils ont rejoint une des sept merveilles du monde, ben, le jardin suspendu, que c'est le roi Nebuchadnezzar qui a construit et ville ça. Mais Nebuchadnezzar, on ne va pas parler de détails sur l'histoire de Nebuchadnezzar, à savoir qu'il est relation avec Daniel, que Daniel est entré dans la ville en tant que jeune juif. Et que qui t'a servi, mon Dieu, je t'ai imposé, Daniel, on sait de nourriture, on sait de pratiques religieuses que Babylone n'a qu'en fait. Daniel Patvé, qu'on y a là, et je t'ai fait, Daniel, t'ai imposé, on sait de travail, que, par exemple, je t'ai lagué Daniel dans la fosse au lion, ensemble avec trois autres jeunes juifs encore, nous connaissons, nous, c'est Meshach, Medrach et Abednego. Nous connaissons l'histoire ça très bien, nous pas venir sous détail de l'histoire ça, parce que nous pas parler de l'histoire peuple ça, grand pile pasteur qui déjà expliqué nous, l'histoire de Daniel, je toujours apprécié. Ça, nous même, nous voulons montrer, c'est vraiment l'ensemble de, situations qui étaient gagnées, situation géopolitique qui est gagnée dans ce moment-là, comment le pays a régné. Babylone, nous connaissons l'histoire aussi de Nebuchadnezzar lui-même, qui vient fou, et puis après ça, mon Dieu rétablit, et ensuite, bon, Nebuchadnezzar vient mourir. Qu'est-ce qui fait Nebuchadnezzar vient aller, vient perdu en pierre-là? Vient gagner une série de, jusqu'à présent, que la parole-là, le peuple a toujours resté en exil. L'exil a commencé dans les années 750 et puis il descend toujours jusqu'à les années 538 comme ça, il y a une invasion où l'autre peuple qui commençait à monter. C'est le peuple perse. Les Perses qui sortent dans la dynastie Hachemnide et il y a un roi là-dedans, un jeune roi lui-même qui était ancien grand-père roi en Babylone, mais lui-même les vins gagnent racine par lui, il y aurait les monsieur Cyrus. Et de nos jours, nous connaissons ici comme le Cyrus le Grand, ou bien le roi des rois. Parce que Cyrus lui-même, les vins commençaient par conquérir Babylone, qui était un empire qui était duré des siècles et des siècles. Et puis Cyrus lui-même, les vins roi. Lorsque Cyrus lui-même, les vins roi, ça passait, Cyrus lui-même, il entrait en Babylone. Mais M. Sao, c'était des conquérants qui étaient. Non seulement entrer dans Babylone, il prend également Jérusalem, qui est la tribu de Jérusalem et de Juda, de Israël et de Juda à cette époque. Et c'est lui-même, donc on est que Daniel Teguin a prédit par son rêve, par exemple, les 66 semaines côté, par exemple, le temple de Salomon Teguin pour le construire et pour le reconstruire encore au bout de 70e semaine. Eh bien, c'est Cyrus lui-même, au cours de 70 ans, eh bien, Cyrus lui-même vient permettre, non seulement avec le peuple Israël à retourner en Israël, il est sorti en Babylone, il est retourné en Israël, et puis le peuple lui-même, il vient reconstruire le temple de Salomon, qui était détruit par Nebuchadnezzar et ses acolytes. Donc,
ça qui vient passer, c'est que qu'on est là, Cyrus vient considéré comme un grand roi aux yeux du peuple juif. C'est la délivrance par Dieu. Bon, Dieu servit avec un roi païen pour le capable de délivrer le peuple. Donc, bon, Dieu servit à tout le monde. Pareil aussi que du temps de Jonas. Donc, on a que le prophète Jonas pas voulait aller prêcher la Syrie parce que la Syrie c'était considéré comme une ville aussi puissante que Babylone. Et bien, la Syrie était grand pile péché là-dedans, le peuple n'a pas été converti, mais bon Dieu, c'est une grande ville. Hein? Et Ninive, c'était la capitale de la Syrie, mais Jonas était venu prêcher, une grande partie était venu converti, puisque vous connaissez l'histoire de Jonas. Donc, la Syrie, et les Mélopéas, les Perses, à savoir le grand Cyrus, lui-même, non seulement les envahit, et Babylone, il prend Juda et Israël, et en bas également, et jusqu'à ce qu'il prend l'Égypte, et puis il prend tout le royaume, la Syrie aussi, qu'on y a là, il tourner une grande puissance. C'est les conquérants que M. Saoudi. Mais ça vient de passer, c'est que Cyrus vient de considérer comme un grand roi aux yeux du peuple d'Israël, et puis le peuple a commencé retour d'exil, commencé à retourner en Israël. Et puis, mais cependant, il y a un pile juif lui-même qui était, on sait, des pratiques religieuses, juif Sao, et qui était parti en Babylone, avec des siècles, qui ont vu perdu pratiques religieuses qui ont gagné en Israël. Et ils ont gagné là, ils ont quitté, bon Dieu, à servir d'autres dieux, et gagné pratiques culturelles, ils ont pratiqué aussi, ils ont quitté pratiques culturelles Sao. Et lorsque la plupart des ont fini retourner en Israël, qu'on y a là, ils ont venu servir d'autres dieux, ils ont venu faire des mélanges, ils ont venu gagner l'autre principe. Mais pendant ce temps également, gagner l'autre peuple également qui était venu entrer en Israël. Peuple qui était en Babylone, ils ont voyé en Israël des moyens pour capables de diriger le pays. Et parce que c'est un pays accaparé, un pays qui était en captivité. Ça vient de passer, peuple s'est retrouvé qui vient entrer en Israël là, ils viennent amener d'autres pratiques religieuses d'Akayo, par exemple des dieux païens comme le dieu Baal, et puis d'autres dieux que ils ont même les grands servis, et puis ils ont vu une métal en Israël qui est une fois une sorte de mélange. Ça qui vient de passer, c'est que qu'on est là et Israël vient maintenant un pays qui est presque impraticable et qu'on est là, c'est les prophètes que bon Dieu a suscité les prophètes dans le pays ça pour être capable reprendre le peuple israélien pour nous former une sorte d'unité et pour capable vivre. C'est ainsi que la Samarie aussi était en pile dans la Samarie, une ville en Israël. T'as des Samaritains qui étaient là. Les Samaritains eux, sont une sorte de mélange de peuples d'anciens juifs qui étaient en captivité, qui étaient déportés, ensemble avec des Babyloniens qui étaient venus peupler peuple israélien. Mais t'as une grande animosité de la part de ce peuple mélangé des Samaritains contre les Juifs. Samaritains, on va dire, Juifs voulaient faire bonne et harmonie ensemble avec les Juifs. C'est peut-être ça. Donc, on a l'histoire de la femme samaritaine et Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est jeune avec lui, il s'est posé Jésus-Christ qui type de relation qu'il gagne entre nous-mêmes. Par exemple, Jésus-Christ n'a pas de paix lui-même, c'est pas de pas de paix. Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité, il n'a pas de faire de différence entre les Samaritains et d'autres peuples. Et Jésus-Christ, lui-même, n'était pas là avec lui. Et puis, pour être capable de montrer l'amour de notre Seigneur, Jésus-Christ envers qui que ce soit. Donc, Jésus-Christ n'est pas venu pour un peuple en particulier, il est venu chez les siens n'ont pas reçu. Donc, il est venu pour l'humanité entière. Il n'était pas mort seulement que pour les Juifs, mais il était mort pour l'humanité entière. Donc, quiconque croit en lui ne périsse point, mais il est la vie éternelle. C'est ce que nous dit Jean 3, verset 16. Mesdames et messieurs, si nous souhaitons que vous compreniez l'histoire, nous ne pas venir pour nous trop long. Et nous gagnons pour nous retourner encore sur des particularités de l'exil d'Israël et en Babylone. Eh bien, nous souhaitons que ça te serve une petite leçon et nous venons dans d'autres histoires encore et avec vous-même. Nous disons bye bye et puis à bientôt. Pas oublier, chaîne, c'est pour vous-même. Abonnez la dernière de moyen pour capable toujours recevoir ce genre d'histoire, ça haut, ce genre de cours biblique qu'on a observé avant. Et puis, donnez un like. Et puis, faites des commentaires aussi. Si vous avez des questions, posez-les. Posez des questions. On a fait un plaisir pour être capable de répondre. Bye bye.